Crane va dans les arbres. Alors lesquels? Lesquels? J'aimerais bien, mais je vois pas où. Dis-moi où. Tu vas voir que j'ai loupé. Non. Ah, on dirait qu'il y a un passage. T'as pas vu un passage? J'ai pas l'impression qu'il y ait de passage. Hein. Non, il y a rien. Ok, merci. Tearful Turtle. Et un dindon de canard en plastique qui nous dit Je fais hyper mal le canard en plastique qui vibre. Non, j'y arrive pas. Je suis désolé, je ne sais pas faire de canard en plastique qui vibre. Alors, on a plusieurs passages. On peut pas sauter. J'ai une information importante. Donc là, il y a des trucs par là. Il y a un coffre déjà. Les coffres, c'est bien. Alors, en vrai. Genre, il me saute par-dessus, quoi. Ok. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur. Ok. On va se calmer. On va se calmer, les Billy. On va se calmer, les Billy. Ok, d'accord. Attends, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Bon, il a l'air hyper bien par là. Attends, il y a un machin là, ça m'intéresse. Mais je veux. Alors, déjà, il y a le coffre ici. Et nous avons trouvé de la gelée rouge, fabuleux. Comment je passe là? Au secours! Maman! Normalement, j'aime pas trop ce genre de jeu là. Hein. Bon, est-ce que j'ai encore des trucs à faire par là ou pas? Là, c'est fermé. Par en dessus. Je suis d'accord, mais je veux bien monter moi. J'ai pas trouvé comment monter. Donc là, y a rien pour monter. Voilà. Secours. Alors, par en dessus. Je veux bien. Mais. Je testerai bien un truc, mais je sens que ça va être nul. Voilà, je sentais que ça allait être nul. Voilà, c'était une bonne idée. Avec la perspective, j'étais pas sûr. Oui, c'est ça, c'est... Comme vient de le dire quelqu'un, c'est assez anti-instinctif. J'avoue que c'est difficile à voir, en fait. Je fais au pif en me disant, oh, peut-être qu'il y a un truc, là, mais... Super. Super. Bon, donc là... Il nous reste 29 de vie, c'est génial. Alors là, on peut passer ici. Ah, super. J'ai loupé des trucs. J'ai loupé des trucs. Ah, ici, j'ai l'air safe. Ils peuvent mourir au bout d'un moment ou jamais. On va dire jamais. Ah bah non. J'aime pas Zelda, tu vas déguster. J'avoue. Oh.
arrive là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah. Ou level up. Ou le petit level up. Level 13. C'est la patte. Mince. J'ai tout tué, on est bon. On est bon. Je voudrais bien la pièce là. Quasi full vie, par contre j'aurais rien contre un petit truc pour sauvegarder un endroit. Ok. Ah, je sais pas ce que c'est mais ça a l'air bien. Du coup j'ai sauvegardé. Par contre je peux pas... comment je peux sortir de... ça sauvegarder, on peut y retourner. Bah j'ai eu la gelée rouge, oui. Tu as loupé un truc dans la zone en haut à droite de la map. Ici? Du coup, est-ce que je prends des dégâts? Ah oui. Donc là, je prends pas. Ah oui. Ici. Il y a un truc de l'autre côté, non. Et là, je vais pas pouvoir passer. Je peux pas passer. Où est-ce que j'ai loupé un truc? Dans la zone tout en haut. Bah, je veux bien, mais j'y vais comment? Tu es repassé devant. Ok. Attends, je vais virer peut-être l'armure. Ici donc. Je veux bien, mais... ah, peut-être comme ça. Ascenseur en haut à droite. Bon, je veux bien. Là, il y a le machin. Mais comment... comment je monte? Non. Je le fais pas. Je le fais assez long.
Non, il se passe rien. Alors, on me dit que je peux pas monter tout de suite. Donc, vous me donnez des conseils pourris. Bref. Apparemment, c'est pas pour maintenant. Oh, ça sert d'aimer. Oula. Bah non, on va se calmer, les Billy. Est-ce que je peux prendre? Non. Sauvegarde pas. Du coup, est-ce que ça aurait permis d'activer l'autre ascenseur là-bas? On va aller voir. Apparemment pas encore. Pas encore. Toujours pas sauvegardé. Non. Ah bah non. Oh, je vais mourir. Du coup, ça en fait plein. Comment je vais là-bas? Pourquoi je peux pas y aller? Là je peux. Pourquoi je peux pas alors? Ah non, je peux pas. Ok, donc il y a autre chose à faire, je sais pas quoi, mais on va trouver. On va trouver. Marche pas. On pourrait se poser mes OZEF. Donc comment je peux détruire? C'est trop loin. Il faudrait que j'arrive à passer ici. Ah oui, du coup il faut que je retourne tout là-bas, d'accord. Ok. Du coup, est-ce que je peux avoir, parce qu'il m'en manque, mais je sais pas où ils sont. Est-ce que c'est tout droit? Non, c'est là, ok. Très bien. Alors, on reprend un petit peu de vie, c'est bien.
Du coup, on peut sortir ici, traverser là, et on va pouvoir aller taper ce qu'il y a là-bas. Voilà. Donc maintenant, normalement, on peut aller là. Puis là, on devrait pouvoir aller traverser ici. Exact. Et donc, on a activé un petit machin ici, parfait. Donc on repart là-bas. Alors, du coup, ça active comme ça, c'est pratique. Un pont qui s'est créé ici. Alors comment je peux... Non, je peux pas prendre l'arme. Je peux pas prendre l'arme, on est d'accord. Je sais pas moins que je puisse faire un gros demi-tour, mais non. Alors... Comment... Ah, peut-être en venant du haut. Je sais pas. Donc là, il y a un coffre. Non, ça va pas assez loin. Donc c'est pas ça. Et on disait que le levier de l'ascenseur se trouvait dans la même pièce en bas à gauche derrière l'eau. Ah, donc il faudrait que je fasse demi-tour. Attends, on va aller voir. En bas à gauche... Derrière l'eau. Derrière l'eau. En bas à gauche. Comment tu veux que j'y aille? À moi? Ah, il y a peut-être pas de pic là en fait. Mais oui, il n'y a pas de pic. Tout simplement. De la gelée verte, très bien. Alors, il est où votre levier en bas à gauche? Crane, il faut que tu ailles avec l'armure sur ce que tu appelles l'ascenseur et tu pourras avoir le coffre en l'air. Allons voir ça. Oui, non, mais j'ai envie d'avoir les coffres. J'ai pas envie de... Non, il se passe rien. Il se passe rien. Non, c'est pas ça. Bon, il y a quelqu'un qui sait exactement comment on chope le coffre. Que je, si vous me dites faut que je trouve un interrupteur et que je cherche pendant 5 ans et qu'il n'y a pas d'interrupteur, c'est chiant. En bas à gauche, dans la pièce de l'ascenseur. Ah, je vois, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ah, c'est ce truc là. Mais j'ai pas besoin de l'armure du coup. Ah oui, non mais tu vois rien aussi. Ils sont gentils, mais... La perspective toute moisie, quoi. Faire un petit coup de sauvegarde. Voilà. D'accord, je viens de comprendre maintenant. Voilà. Voilà.
Par là, y'a rien. Y'a rien. Et donc, on a un petit coffre. Qui nous donne... En plus, c'est une étoile de collection, c'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Pas sauter, gagner du temps? Non, je peux pas. Et ben on croise les doigts, Pandao. Non mais on voit rien, là c'est clairement des problèmes de perspective. Ok, donc nous revoilà là. Donc là, j'avais tourné. Ça, c'est donc le départ. Là. Le truc, c'est... Attendez, je voulais voir quelque chose. Je vais regarder. Est-ce que de ce côté, c'est une autre série? Ouais, c'est toute une autre série de trucs. Ok, donc on va déjà faire ce côté. Et donc. Là, on avait utilisé ça, ce qui nous a permis d'aller ici. Allez, ici nous a rien permis rien d'autre que. D'accord. Ok. Là, ça sert à rien. Là, on peut retourner là, ce qui nous fait absolument une belle jambe. Est-ce que. Non. J'ai jamais compris la manière de jouer de certains en mode tout voir, tout farmer. Perso, je suis un rusher fou. D'ailleurs, Ken, tu connais Oblivion? Un petit peu, oui. Mais il me donnait mal au cœur, Oblivion. Alors, pourquoi... Là, il y a des petits trucs qui disent... Hop, hop. Est-ce que... Mais ça ne fait rien. On a fait un tour complet. Comment... Le truc là... Ah, peut-être ici. Peut-être si je fais ça. D'ici. Ah. Et le 1. Ah oui, non, mais c'est l'arnaque, il faut faire... D'accord, il faut les deux. Il faut les deux. Donc, ça, ça fait tourner... Ah, attendez. Yup, Jessica Wimpond. Vous avez obtenu une gemme étrange. Ah ah. Ah ah ah. Ouais, je pense qu'on a terminé ce coin. J'ai dû regarder s'il n'y avait pas quelque chose par là en fait. Mais bon, on va dire qu'il n'y a plus rien. Puis si jamais il y a quelque chose, vous me direz, je ferai demi-tour. Non, pas la meilleure des idées du monde. Oui, je galère à chaque fois. C'est bon, on a fini. Marche sur la case où il y avait le coffre. Mince, j'ai loupé quelque chose. Oh non.
que j'ai loupé? Non, se passe rien quand je marche sur la cache, il y avait le coffre. Bon bref, c'est pas grave, ça m'avait fait perdre un petit peu de temps. Ok, on va donc attaquer le côté gauche. On va sauvegarder pour le moment. Donc lui, il va être méchant. Très bien. Ouais. Très bien, ça c'était simple, tout va bien. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Des trucs à faire tourner pour après, très bien. Un coffre, il faudra une clé ou je ne sais quoi. À quoi ça sert? Alors là-bas. On va pas pouvoir y arriver. Non, en diagonale peut-être. Apparemment, le jeu il veut pas. Il veut pas! On y retournera peut-être après. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça a pas l'air cool. Ok. Bon, en vrai, c'est tout con. Très bien, il en reste un. Allez, viens Billy. Viens Billy. Est-ce que j'ai moyen de résoudre l'énigme pour ce coffre là? Ou non, ce sera pour plus tard. Je pense que je vais arriver de l'autre côté, je ferai tout le tour. Et je pourrai retraverser. Hein. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça c'était pas dur. Là, ça va, j'imagine, être un tout petit peu plus compliqué. Alors, le but étant d'aller ouvrir ça tout là-bas. C'est pas ça que je voulais faire, moi. Oh! Billy! Oh, il y en a deux. Elle est relou, quoi. Mais arrête! Arrête, ça suffit. D'accord. Non! Voilà. Ça, c'est bien. Je vais mourir. Donc, toi, tu vas où? Tu peux potentiellement aller allumer celle tout là-bas. On allume un. Ça c'est fait. Il repart. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux donc faire ça et aller là-bas. Non. Pourquoi? Comme ça peut-être? Non. Comme ça? Oh non, tout le pot de sang. Si. Non. Comme ça? Non. Mais par contre là c'est relou. Je vais reperdre mon... Non c'est bon. Ok. Une de plus, donc il nous en manque une. Bon, ça suffit de faire ça je pense. Non. Comme ça. Non. Comme ça. Non! Comme ça. Allez, reviens.
Oui, je vais streamer à Noël. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Est-ce que j'ai rien oublié? Normalement, non. Que ce jeu t'apporte du bonheur. On va essayer, hein. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose. Hein. Bah, pas forcément me dire quoi, mais me dire t'as oublié quelque chose avant. Ok. Rouillé. Chouette, je vais pouvoir me défouler sur quelque chose qui viendra pas se plaindre ensuite. Désolé par avance si je le casse. Oh bah non, les petits poissons! Les petits poissons! Du coup, il faut abréger leur souffrance. Ça, ça fait rien. Ça fait rien. Oh non! Tiens, là, tu viens. Non, toujours pas. Très bon jeu, ce Volant 2. C'est vrai qu'il est bien. Toujours pas. Ouais, Menos, quand ils sont à terre, ça a l'air de rien faire. Ou j'étais pas bien dessus, peut-être. J'aurais essayé. Non, ça a l'air de rien faire. Ah, j'arrive pas à le tuer le dernier, quoi. Relou. Ah, s'il fallait l'amener quelque part dans les fameux coins, là. Qu'est-ce qu'il irait faire dans les coins? Mais j'arrive pas à le tuer avec Menos. Ah, quand même. Quand même. Ok. Donc, est-ce qu'on a intérêt à le mettre autre part? Là. On va pouvoir faire le tour. Donc non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. D'accord, ok, c'était pour ça. C'était donc pour ça. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Oh, saleté de perspective. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Absolument rien.
Bon, on va dire qu'on a rien. On va dire qu'on a rien, sinon ça va pas le faire. En fait, qu'as-tu lui donné? D'accord. Crane Live SVP suit Chine avec Grunlec. Ok. Ok, ok. Oh. Heureusement. C'était rapide. Non, mais non. Alors, tu veux que je le mette où? Attends, il y en a une là-bas. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir passer ici. Est-ce que je peux marcher sur le truc? Parce que moi, j'aimerais bien. Là, il y en a déjà un. Donc... D'accord, je vais faire ça. Ah, c'est mauvais. Alors, est-ce qu'ils ont une utilité? Il doit bien avoir une utilité, les Billy. Ok. Donc, on a pu venir là. Ce qui nous fait une belle jambe. Ah, sauf si je peux... Est-ce que ça vide l'eau qui est là-bas? Ouais, j'ai des potions vertes, c'est pour les faibles, les potions. Ok. Alors. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je viens de comprendre. Je suis con. Chaque fois, j'oublie que je peux utiliser mes pouvoirs à distance. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, hop, venez gravir. Mais c'est pas grave. Bon, les Christine Ja. Un boss.
Alors là, faut m'expliquer à quel moment ma hitbox a peut-être touché là. Bah oui. Ok. Ça a disparu, ça a disparu. C'est une vie, c'est ça. C'est exactement ça en plus. Ça va le jeu, tu te fous pas de ma gueule. Tu te fous pas de ma gueule parce que je me suis rapproché trop. Bref. Là, je me suis fait avoir. Alors, j'en me suis fait avoir. Ce jeu qui me vole mes PV, mes thèmes. C'est bon, ça fonctionne. On est bon. Attends, j'ai oublié ça. Voilà. Et nous avons gagné une gemme étrange. Ça fait deux gemmes étranges. Oh, voilà, on a deux gemmes étranges. On n'a pas fini par hasard. On a fini, on a tout fait. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Dites-moi. Yop, Matt! Est-ce que j'ai loupé quelque chose à la droite ou à la gauche? Normalement droite. Non, gauche non plus, je pense pas. Je pense avoir tout fait. Va en haut. En haut de quoi? GG, enfin le boss. Ok. Normalement t'as tout. Parfait. Gemme étrange. Pas content, pas content. J'espère qu'il a la laine fraîche. Qui a détruit mes jolis pots? C'était mes préférés. Oh, je vous reconnais. C'est vous qui étiez venu chasser mes amis les fantômes de la forêt. Et maintenant que j'ai de nouveaux amis, vous voulez me les prendre. Aussi c'est ça, hein? Non, bah non. Bah non, c'est pas ça que je voulais dire. Je le savais. Je vois... que je n'ai pas le choix, il va falloir que je me débarrasse de vous. Mais non, je voulais pas. Oh, j'ai fait trop vite. Oh, ça me saoule. Attends. Attends. Je vais mourir. Non. Je suis trompé dans le dialogue. On va le refaire parce que j'ai envie de voir ce qui se passe quand je dis non. Et ça va probablement faire la même chose, mais... j'ai pas appuyé sur le bon dialogue. Oui, oui, non, mais j'ai pas mis le bon dialogue, ça me plaisait pas. C'est jamais. Pouvoir de l'amitié, tout ça. Blablabla, blablabla, blablabla. Non! Je ne vous crois pas. Voilà, moi, mais j'ai dit la vérité. Je vois que je n'ai pas le choix, il va falloir que je me débarrasse d'eux. Très bien.
sur le loup. Je vais essayer avec. Ah, voilà. Ah, je peux les virer. Ça va marcher. Qu'est-ce que tu racontes? Ah non! Bizarre que j'ai réussi tout à l'heure et là que j'y arrive pas. Bon, c'était à la bourrin, mais c'est passé, c'est l'essentiel. Mais je veux pas le tuer, moi. Vous êtes vraiment trop fort. Désolé, mes amis, une fois encore, je ne parviendrai pas à vous protéger. Mais on veut pas attaquer vos amis. C'est vrai. Nous voulions simplement votre aide. Vous devriez être assez fort pour pouvoir déplacer le rocher du pont de Mayenne. Le rocher? Il fallait le dire avant! Mais c'est vous qui nous avez attaqués. C'est vrai. Je vous présente mes excuses. Je pensais... En fait, je devrais plutôt vous remercier. Après nos rencontres, j'ai changé d'avis. Après avoir vécu seul si longtemps, j'ai décidé de me faire de véritables amis. Les humains ne sont pas si mauvais, finalement. Ah ah ah, c'est passé si longtemps depuis cette histoire de fantôme. D'ailleurs, vous êtes très bien conservée pour votre âge, madame. Si vous avez une astuce pour garder une peau aussi lisse, cela pourrait m'intéresser. Bien que je ne sois pas humain, je commence à avoir des rides et... Mais je suis encore jeune. Ce n'est pas le sujet. Je veux retrouver mon peuple. Nous devons impérativement passer ce pont. Malheureusement, je n'ai pas assez de force pour cela. Mais vous êtes un démon, n'est-ce pas? Oui. Par contre, le jeu est vraiment simplifié au début en choisissant l'épée comme premier objet doré concret. Bah tant mieux. Tant mieux. Mais j'ai pas l'armure qui va avec, tout à fait. Alors peut-être que je pourrais vous aider. Ce sera ma façon de m'excuser de vous avoir attaqué. Nous autres gardiens, nous pouvons capter la mana. De la mana? Mon père m'en a parlé. Il s'agit d'une énergie issue de la nature. Elle habite toute vie, mais est dangereuse à haute dose. Oui, c'est bien ça. On raconte qu'il est possible d'utiliser la mana pour accroître la force des démons. Je vais vous confier ma mana. C'est bien le moins que je puisse faire. Vous avez obtenu de la mana, énergie naturelle garantie 100% écologique et durable. Voilà qui est fait. J'espère que cela vous aidera. Partez maintenant. Je dois rester me reposer un peu. Ce combat m'a fatigué. Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant nagé. Peut-être que je devrais faire plus d'exercices et perdre un peu de poids. Alors comme ça, Jatai était lui aussi un gardien, comme celui qu'on avait affronté dans la forêt de mon époque. Je me demande s'ils ont un rapport avec les Magi. MV Crane, mon pseudo Steam, Sweet Geeks, mais j'ajoute pas tout le monde, je garde juste pour des amis proches. As-tu entendu cela, Wonderman?
Il nous faut trouver la personne qui nous permettra d'utiliser cette mana. Genre, la vieille. Je ne dis plus rien, non. Oh, ça m'a l'air très bien tout ça. Ok, il dit les mêmes choses. D'accord. Bon, j'ai tout fait, j'ai rien loupé. Crane, pourrais-tu souhaiter l'anniversaire de Nervous Brandon? Ça lui ferait plaisir. Bah, bon anniversaire à toi, c'est vraiment ton anniversaire. Il y a un petit kappa derrière, donc je sais pas. Mais bon, je vous fais confiance. Parce que si vous commencez à me faire des trolls anniversaires, à la fin, je souhaiterais plus d'anniversaire de personne. Bon anniversaire à toi. Alors. Salut Gigulik. C'est pour te dire bonsoir en rentrant du taf. Bah, salut à toi. Du coup, il aurait fallu que j'aille sur le pont pour voir que c'était bloqué. Non, ça sert à rien de m'ajouter en friend list. Hein. Steam est une des rares choses que je garde uniquement pour les gens que je connais pour de vrai. Donc je sais qu'il doit falloir aller voir la vieille. Hein. Je fais juste un petit tour. Voir s'il n'y a pas des choses à découvrir dans ce coin. Avant. Ah, oh, c'est chiant ça. Alors là, il n'y a rien. Là, je vois rien. Là, apparemment, il n'y a rien. Et là, il semblerait qu'il n'y a rien. Non, ça a l'air d'aller. On devrait tomber sur le rocher qui empêche. Salut, c'est rare de voir quelqu'un de ce côté du pont. Avant, on l'appelait le pont de Mayenne, mais il y a 100 ans, un rocher est tombé. Et a bloqué, je crois pas. Personne n'est arrivé à le retirer depuis. Faut dire que depuis la fin de la guerre, plus personne ne veut se rendre à Démonia. En tout cas, je ne pense pas qu'un jour un humain arrive à le briser. Moi, je suis certain que notre boss, il serait assez costaud pour le péter, ce rocher. Mais c'est une sacrée tête de mule. Il sort presque jamais de la forêt hantée. Faudrait le forcer à se bouger jusqu'ici, mais personne ose. Faut dire qu'il fiche la frousse à tout le monde. Mais au fond, c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc là, ça sert à rien que je fasse ça. J'imagine. Je ne pense pas avoir la force de briser ce rocher pour l'instant. Ok, allons utiliser de la mana, tout ça. Avec... la magicienne. Oh, mais quel charmant jeune homme! Que puis-je faire pour toi, mon poulet? Acheter une potion. J'espère que tu m'as apporté de la bonne gelée, mon nounours en sucre. Mamie Bibi va te préparer une bonne potion. On récupère une potion qu'on a utilisée tout à l'heure. Potion verte. Pense à moi quand ta jolie bouche touchera la bouteille. Que puis-je faire pour toi, mon poulet? Éveiller un allié. Sais-tu au moins ce que tu me demandes, mon cochon au miel? L'éveil n'est possible que si tu me rapportes suffisamment de mana. La mana est l'énergie de la vie. Elle est très rare. Et si l'éveil n'est pas suffisamment prêt à l'accepter, l'éveillé, il mourra. Mana. Oh, formidable! Tu as trouvé de la mana? Nous allons commencer avec ce grand costaud. Il fera un sujet d'expérimentation idéal. Oh. Augmentation de pouvoir. Le pouvoir de Mélos a atteint le niveau 2. Concentrez-le plus longtemps pour une attaque encore plus puissante.
Que puis-je faire pour toi, mon poulet? Rien. À bientôt, mon canard en plastique. Qui vibre. Bon bah voilà, on a Mélos niveau 2. On a donc Mélos niveau 2. On va aller voir à quoi ça ressemble. Attends, je veux pas me donner de l'XP parce que je suis presque level up. Donne-moi de l'XP. Ah oui, mais ils sont chiants là-bas. Attends. XP. Non, je suis loin en fait. Bref, on va arrêter. Hop.